Bonjour les Kebs, puis les personnes d'autre part, bienvenue sur la chaîne des Infréquembles. Aujourd'hui, on va jouer à quelques jeux indés, horreur et un autre pas rapport, mais qui reste un petit peu horreur. Fait que le premier, c'est VHS. Bon, fait qu'on se retrouve sur l'écran principal du jeu. Comme vous pouvez voir aussi, il y a le jeu Pokémon avec le gameplay de Cédric en arrière-plan. Déjà, VHS est un acronyme pour Vidéo Horror Story. Pour être franc, je l'ai déjà faite parce que la première fois, j'ai eu des problèmes audiovisuels. Déjà, la sensibilité est vraiment caca. Sinon ici, on a un truc qui nous dit, mais en fait une indication qui nous dit qu'on peut changer la fréquence d'image, comme sur une VHS en fait. Mais je sais pas sur les VHS c'est de même. Mais en tout cas, oh, déjà on a une petite référence à Slenderman que j'ai pas vu dans le premier record. Fait quoi, le jeu est un petit peu bizarre parce que là, ça paraît pas quand je joue comme ça. Mais il y a des murs invisibles qui me bloquent. Puis à qu'est-ce que j'avais compris ici, c'est en fait, faut changer de fréquence pour que ça nous révèle genre le pat. Mais ça, j'ai jamais compris parce que pourtant, ça fait fuck all genre. Mais vraiment, c'est moi qui est con là. Mais je vois rien là. Déjà là, je sais même pas où aller. C'est con. Donc c'est un genre de labyrinthe invisible avec des monstres. Bizarre. En tout cas, vous allez voir. Fait que ici, on a notre bibou qui mange, en fait. Qui est enfermé, puis qui est pas content. Oui, vous pouvez voir un petit peu les monstres, là. Je vais peut-être faire un zoom pour que vous puissiez voir. Tantôt, vous allez voir en vrai. Fait que, petite ambiance lugubre. Puis, c'est ça, pour être franc, les screamers, ça va. Les screamers, ils sont pas foufous, mettons. Fait que j'ai pas tant peur d'avancer, surtout qu'en ce moment, je sais déjà qu'est-ce qui se passe. Tabarnan, man. Genre d'où je suis posé de savoir où aller? Caroline de merde. Pour ça que vous allez voir que ma vidéo s'appelle « Quand c'est long, les jeux vidéo indés ». Parce que c'est pas le premier que je fais, puis sérieusement, aujourd'hui, genre, j'ai au moins pris 2 heures de mon temps à chercher des jeux, puis ils étaient tous pas fameux pour de vrai. Bon, ici, c'est fermé. Donc là, on doit aller juste là. Sérieusement, par contre, la flashlight, qui est pas capable d'éclairer jusqu'au fond du couloir. Ouais, ici, il y a des sangs sur les murs. Il y a du sang sur les murs. Si à ce que je me rappelle, il y a un monstre. Il y a un monstre. Il est juste là. Bon, ben là, vous pouvez le voir en 4K HD Ultra, quoi. Non. Bon, ben là, il m'a vu, là. Je suis un petit peu dans le marde, quoi. Bon, okay, là, il s'en va parce qu'il est done. C'est ça, la particularité du jeu. C'est que les monstres sont dumb. Pour être franc, là, j'ai jamais vu des monstres aussi cons que ça. Genre, ils s'en foutent de toi. Genre, tu peux. C'est juste quand tu t'en viens vraiment derrière lui qui est vraiment attiré, on peut dire. En fait, là, il fait le tour de même. Ça me laisse le temps de faire ça ici. Pour être franc, la fonctionnalité VHS, comme ça, elle me sert à fuck all. Là. Je l'ai jamais utilisé à l'heure. Ouais, si c'est barré. Ici, on a un autre. Sinon, si vous avez vu, je porte plus de sucre. Parce qu'en fait, j'ai été faire un fresh haircut, quoi. Un new haircut, ouais. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Ici, c'est un... caché derrière le mur. Bon, c'est ça le screamer. Vous êtes déçus, je le suis aussi. Ben, t'sais, c'est un jeu indé en même temps, je sais pas ce qu'ils ont pensé. Là. Mais gros, t'abuses, hein. C'est carrément du spawn kill, ça. Caroline de merde. Sérieusement, ça va plus devenir un jeu rageant parce que je l'ai déjà fait qu'un jeu d'horreur. C'est insane. Il va être là, ben oui, fuck you, man, fuck you. Sérieux, c'est de la merde. Bibou, je t'aime bien, là, mais man, lâche-moi la grappe. Colin. Bon, attendons, on va le pre-shoot. Là, je le pre-shoot comme Gotagax. C'est quoi qu'il y a? C'est une cravate? Ben oui.
c'est ça, c'est à ça que ça sert le VHS, j'avais oublié. C'est qu'en fait, quand il fait ça, il faut défaire le VHS pour qu'il te voie moins, je crois. Ouf, ouf, ouf. Oh, attends, il a compté le checkpoint. J'en ai vraiment ma claque. Oh, man, man, c'est insane. Sinon, pour être franc, si vous voulez que je fasse aussi un Let's Play Pokémon à un moment donné, je peux bien le faire. J'aime mieux ça que faire un fucking jeu de marde de même. Désolé aux petits développeurs indés, là, mais sérieux, là, faites un effort. C'est comme les développeurs indés qui mettent leur jeu 15$. Comment tu veux que je l'essaye ton jeu, genre? T'es un gars, c'est le premier jeu que tu fais, puis tu le vends 15$. Le seul truc que tu cherches, c'est la fame, le money, je sais pas trop quoi, man. C'est chiant, non? Mais bien sûr, là, il faut aller rejoindre lui. Vas-tu dans le bon sens? C'est pas par là que j'avais passé tantôt. Mais oui, c'était... Ah ben oui, là je m'appelle, ben oui, je me fais piéger, viens comme patte. Le concept de VHS par contre, il était nice. Moi c'est pour ça que j'ai cliqué. Mais si au moins il y avait une petite storyline ou je sais pas là, à la place de me foutre des monstres qui font pas trop peur, puis des trucs qui font pas trop peur non plus. Comme là, je suis pogné. Mais oui, ta gueule, ferme ta gueule. Mais il faut fucking mur invisible de marde. Je m'en cristre, je passe. Oh, c'est ça, les... Putain de merde. Bon, mais j'ai juste à découvrir quelque chose. Oh, mais là, vous les voyez, les fucking murs invisibles de marde. C'est 4 fois plus facile pour moi, sérieux. Il était où? Il fallait que je change de fréquence pour les voir. Oh, dis voilà. Donc là, je pourrais ouvrir ça ici, c'est ça? Ok. Non, mais là, je fais ça comme ça. Ok, fait que là, je peux voir les objets. Ah, oh, mais putain, c'était vraiment mal expliqué. En fait, qu'ici, il y en avait deux, ouais, c'est ça. Là, on va attendre qu'ils passent les deux. Puis là, je sais que là, c'est un couloir straight out comme ça. Straight out of Compton, quoi. Je me rappelle que c'était comme ça. Puis là, on arrive directement vers la porte. Là, il n'y avait pas trop d'objets, qu'est-ce que je me rappelle. Et voilà. Puis là, regardez, ok. Là, vous allez être saisi sur la courte durée du jeu. Attention, oulala, mais c'est fini. Oh non, mais c'est la fin du jeu. Oula. Gros screamer, comme d'habitude, malade. Après, regardez. Wow. Puis là, c'est pour ça que j'ai les jeux à 15$. Je sais pas trop quoi, je l'ai pas payé le jeu. Il y a du monde qui vendrait ça 15$. Fait que on va passer à l'autre jeu maintenant. Bon, fait que j'ai essayé d'enregistrer un jeu qui s'appelle ICU, un jeu indé horreur, je crois que ça allait être nice. Puis en fait on peut pas l'enregistrer sur OBS, je sais pas pourquoi, c'est vraiment que le jeu est de la marde. Fait qu'on va passer au dernier jeu. Un autre jeu indé, mais là dans un autre vibe, puis c'était... Ouais, je vous montre juste les images, c'était pas foufou non plus. Bon, fait qu'après un gros temps de recherche, on se retrouve sur Saltbox. Un jeu encore indé, parce que c'était comme le but de la vidéo. Puis ouais, c'est ça, je sais pas en tout c'est quoi. Puis pour être franc, j'ai pris quasiment un jeu au hasard, parce que vraiment les jeux indés de ce temps-ci font pitié. Bon, en fin de compte, ouais, j'allais dire que c'est un changement d'ambiance, mais ça fait quand même peur pour être franc. Et tu veux gagner de l'argent, il y a plusieurs posters qu'on a besoin de mettre autour de la cité, quoi. Le truc, c'est que je peux pas m'en aller du shop, quoi, du magasin. Fait que, est-ce que tu pourrais y aller pour moi? Fait que là, ils disent de pick up les posters. Après les avoir toutes remplacées, reviens me voir. Je vais te payer 10$ à chaque fois que la job est accomplie. C'est good? Oui, bien sûr que c'est good. Ok, ils sont où les posters? Ah, c'est ça? Ouais, mais l'univers du jeu, il a l'air quand même assez bizarre pour être franc.
style graphique est vraiment très très bizarre. Ok. Je posais des posters où, moi, les posters? C'est... Non. Ok, j'ai 13$, j'ai ça. Bon, ok, attends, je peux pas prendre les posters, moi? Bon. On va essayer d'aller voir ici. Bonjour, monsieur. Tu veux gagner quelques dollars? Il y a un orange package et il a besoin d'être délivré, quoi. Je le ferais bien moi-même, mais je suis lazy, quoi. Pour délivrer le package à un gars qui est dans la ville, quoi. Il porte un t-shirt rouge et yellow tie, ça, je sais pas c'est quoi, par contre. Ça, c'est le package. Let's go. Fait que là, faut trouver le gars. Non, on dirait juste un jeu où est-ce qu'on se fait de l'argent, mettons. Bon, ils m'ont dit un red t-shirt. Oh, on s'en fout, sérieux. Non. Bonjour. Caroline, ils font toute peur dans ce jeu-là. Oh là là, Sera. Rare. Je les entends toujours squeaker. Ils se multiplient, c'est fou. À chaque fois, je pense que je les ai tous eus. Mais un nouveau pop à chaque 30 secondes. Tu vas les trouver autour du petit building rouge. Ils se cachent dans une trash, dans une poubelle. Parfait. Excusez-moi si des fois la traduction est un petit peu foireuse. Ok, non, mais sérieux, ok, chier là. Tout le monde veut me proposer de la fucking job. Si j'étais un homme à tout faire, quoi. Ok, ils sont supposés être là-dedans. C'est eux, les rats? Putain, ils m'ont dit. Oh, attends. Haha. Wow, les pommes en PNG, j'adore. Non, c'est même pas des pommes. Ok, non, ils ont fait exprès. Oh, ta gueule! Oh, fuck that. Mais sérieux, là. Bon, ok, je conclue cette vidéo-là parce que j'ai testé au moins 4 jeux indés après le premier jeu indé horreur, quoi. Puis j'en conclue que les jeux indés, c'est mort parce que vraiment, c'est à chier. Je sais pas comment les autres YouTubers font pour trouver des jeux indés palpitants qui valent la peine, mais en tout cas, il y en a pas en ce moment. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. Ciao, bye, là.